What's up, beauties? Welcome to the Furnish Show. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Ikayamoshi, qui est une initiative sociale créée par Aminata et Mariam Diaye pour valoriser l'art et l'artisanat africain sur la scène internationale grâce à un e-commerce. Ah oui, j'allais oublier. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Il y a aujourd'hui plus de 35 artisans en Afrique du Sud qui arrivent à mieux vivre grâce à leurs bijoux exportés dans le monde entier et 100% fait main. À la base, j'aime pas les rats de cou. Même si c'est la mode cet été, je ne suis pas cette mode. Les filles, des fois, vont mettre des lacets autour du cou, on dirait qu'elles vont s'étrangler. Mais vraiment, avec le Saba Queen, il n'y a rien à dire, il est vraiment magnifique et s'adapte à tous les styles vestimentaires. Et en plus, il existe en plusieurs couleurs que vous pouvez retrouver sur le site internet qui s'affiche là. Et vous pouvez aussi retrouver le lien dans la barre de description. Je sais que nous les filles, on adore collectionner les colliers. Mais s'il y en a bien un qui manque à votre collection, c'est le Saba Queen.